Bonjour, c'est Ayoli. Hey. Je suis venu ici en catimini faire une petite vidéo pour pousser un peu un coup de gueule, Daniel, parce que tu surveilles pas tes troupes et je suis débordé. J'ai monté l'amicale de non-blancs de souche, comme tu sais, et je suis sollicité que par des blancs de souche. Donc, si ça continue, faudra que ça cesse, comme dirait l'autre. Alors, je t'explique. Tous les orphelins, là, ils sont tellement motivés que je reçois des vidéos, figure-toi, tu vois, comme des fans, hein, tu vois. Eh, tu kiffes. Donc, tu vois, ça c'est mon ordinateur, t'as vu, il est joli, oh, c'est joli. Alors, ça, c'est un monsieur, il a envoyé cette vidéo. Alors, je te le mets, hein, pour pas que tu dises que je racontais des conneries. Alors, salutations à tous. Alors, voilà, cette vidéo s'adresse à monsieur Ayoli. C'est moi. Qui apparemment sera le président des non-blancs de souche. C'est exact. Mouvement auquel je voudrais adhérer, évidemment. Oh putain. Le problème, c'est que moi, je suis blanc de souche. Et voilà. Alors, la vidéo, vous la regarderez, elle est sur YouTube. Je ne sais pas comment elle s'appelle, je l'ai téléchargée. Ça doit s'appeler « Demande d'adhésion aux non-blancs de souche ». Tu vas la trouver. Donc, alors, déjà, je me suis dit, bon, le mec qui fait des vidéos, c'est qui ce mec? Regarde. On dirait un peu qu'il est dans un hôpital psychiatrique. Et vu sa carrure, on dirait qu'il est surveillant. Donc on dirait un surveillant d'hôpital psychiatrique qui essaye de s'échapper. Eh, t'es d'accord avec moi? Eh, je mens pas. Il met ses lunettes, la casquette, il a laissé pousser sa barbe avant de faire la vidéo, tu vois. Parce qu'il est pas con, il veut pas qu'on le reconnaisse. Tu vois, il a un peu honte, Daniel. Eh, il a un peu honte de vous. Donc, je t'explique. J'ai fait des recherches. Parce que moi, j'aime bien savoir qui c'est qui me sollicite. Alors, je suis tombé sur sa page, figure-toi, sur sa page à lui. Alors, tu vois, il a une espèce d'animal, là, en photo de profil, mais quand même, moi, je dis respect. Voilà, donc, c'est lui. Donc, je vous salue. Et voilà, je voulais faire cette vidéo. Daniel, il faut que tu surveilles tes troupes. Putain, je sais pas, donne-leur à bouffer du saucisson, du pinard. J'étais vu déguster ça avec tes camarades. Apparemment, c'est ce que vous mangez toute la journée. Donc, je sais pas, vous pourrez partager avec les potos, tu vois. Invite-les, fais quelque chose. Je t'ai envoyé la paluche. Alors, lui, c'est Pastaga. C'est pas Free Palestine. Lui, c'est Pastaga, ok? Goa Pastaga, ok? Parce que, que j'arrive pas à le dire, tu vois. Alors il m'a dit, ben, appelle-moi Pastaga, Yoli, il n'y a pas de problème, donc c'est Pastaga. Donc voilà, je t'explique, donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Je peux pas les prendre dans ma tribu, moi, la tribu elle est déjà pleine, ok? Donc, tu vois, restep, en tout cas, écoute, Goa, t'es le bienvenu, si t'as pas de parents, il n'y a pas de soucis, nous on t'adopte. On va t'acheter une paire de boules, tu vas rentrer dans la famille dès que tu auras pris les codes. Apparemment, tu as le bon coup de poignet. Et ça, j'ai pu constater sur ta page. Hein. Il y a, comment dirais-je, du prosélytisme. Hein. Oh là 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 là. Ouh là là, ça j'aime bien. Les cigares là, j'aime bien. Ça, c'est autre chose. Bon, alors, que te dire de plus? Je voudrais dire, on a fait une vidéo avec l'ami Didier, je m'appelle Didier, MDD TV Divulgation. Une première que vous avez vue, eh, l'UCC, c'est un mec qui s'appelle Scribe, j'arrive pas à le dire. J'ai fait des recherches aussi. Et le voilà, c'est lui, le Scribe. Tu vois, alors ils font des vidéos un peu, comment dirais-je, récalcitrantes. Hein, voilà, ils veulent des vues, tout ça, bon, ok. Mais bizarrement, ce mec, il a plusieurs noms, c'est le même. Et là, il a encore d'autres noms. Alors, il faut que je cherche un peu plus, que j'enquête. Hein. Peut-être que toi, tu vas pouvoir m'aider. Qui sait, t'as l'air bien branché, hein, au-delà de la mer. Bon, alors, donc, avec l'ami Didier, on a, comment dirais-je, réitéré, on a récidivé, on est parti voir l'ami Kitoff. Kitoff, tu connais pas Kitoff, putain, Kitoff, c'est un mec d'Albi, tu vois, les Qatars. Et c'est un mec, comment dirais-je, il est inspiré, il est généreux, c'est un beau gosse, une belle âme. Donc, on va essayer de vous sortir ça bientôt. Et puis, on a fait un non-blanc de souche avec lui, enfin, avec ses collègues, Christopher, Renato, que je salue, et je vous salue, les potos. Et puis, donc, on va vous sortir ça bientôt. Donc, Goa, t'es le bienvenu, ici, pas de racisme. Hein, voilà, t'amènes la boutanche, si t'es branché cigare, tu me branches. Bon, ça, par contre, tu viens sans, hein, nous, les animaux domestiques, les robots sexuels, tout ça, on n'en veut pas, hein.
tes habitudes là, c'est comme le frère Yvon, c'est. Faut vous calmer sur la sexualité un peu. Bon, les frères, je vous salue. C'était une petite vidéo tardive. Je suis un peu fatigué. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui avec cette putain de documentaire. Et donc voilà, bon, je vous salue. Comment vous dire? Ben, la population française, je vous salue. Alors, l'amicale des non-blancs de souche, on est à presque deux, pas mal de monde. Il va falloir que je commence à, comment dirais-je, que je prenne des assistants. Donc je vais poster des annonces. Voilà, je vous salue, Ayoli, toujours ici, Mulette, le terre-terre. Toi, le terre-terre. Et puis, ben, Goa, je te salue, t'es le bienvenu.